L'escrime, un sport national en France, mais qui ne semble pas vraiment connaître la même popularité au Canada. Un peu surprenant donc d'apprendre qu'il y a près de 350 escrimeurs en Colombie-Britannique et que 80 d'entre eux font de la compétition active. Thérèse Champagne a rencontré Maître Bach, qui est un maître d'armes qui enseigne l'art de manier le fleuret aux grands et aux petits escrimeurs. À la droite de l'écran, derrière le masque, Maître Bach. Aux Olympiques de Munich en 72, il était entraîneur de l'équipe finlandaise. Il a également formé des Canadiens pendant les Olympiques de Montréal et des Américains aux Olympiques de Los Angeles. Circular down. Set team. Forward. Depuis 1973, Maître Bach vit au Canada. 6 jours par semaine, on le retrouve dans des gymnases à Vancouver, en train d'enseigner aux jeunes et aux adultes les techniques que lui ont apprises ses maîtres d'armes français. C'est un peu du jeu de l'échec aussi. Il faut connaître votre adversaire, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est une partie du jeu d'échec aussi. Oui. Mais tout d'abord, c'est la technique et la condition physique le plus important. Bach Tao est cambodgien. Dans son pays natal, l'escrime était un sport réservé aux militaires français. Devenir escrimeur était un rêve d'enfance. Depuis mon enfance, j'ai toujours avoir des idées de faire de l'escrime comme dans les films, les mousquetaires ou les euros, tout ça. Et je suis reparti en France pour continuer mes études. C'est là que j'ai trouvé ma passion. Il a fait ses études à l'Institut national des sports en France et en 71, il a été le premier Asiatique à obtenir un diplôme d'État de maître d'armes et d'éducation physique. Ses connaissances, il les transmet également dans ses écrits. Il vient de terminer la rédaction d'un ouvrage qui comprend un des rares documents en anglais sur l'entraînement compétitif. Maître Bach ne cache pas le fait que c'est la tenue de l'escrimeur qui l'a attiré vers ce sport, qui lui a appris la discipline, la concentration, la coordination et le conditionnement physique. Parce que l'escrime, c'est beaucoup plus qu'une technique de combat.